Pour Dieu va l'amener à faire quelque chose de différent qui va marquer sa génération. Selon Luc 1, selon Luc 19, verset 1 à 9. Zachée a appris que le Seigneur Jésus venait dans sa ville à Jéricho. Et la Bible précise bien que cet homme était riche. Mais c'était un publicain, c'est-à-dire que c'était un inspecteur d'impôts. Des gens qui sont continuellement en contact avec les taxes et l'argent. Ainsi de suite. Donc il avait beaucoup d'argent. Mais il était d'une petite taille. C'est-à-dire qu'il était court. Alors il a essayé de se mêler à la foule. Mais il s'est dit que s'il reste dans la foule ici, franchement dit, je ne verrai pas celui que j'aime tant. Oh, alléluia. Je ne verrai pas celui que j'aime tant. Et pourtant, cet homme était accusé comme étant un escroc. Les gens se moquaient de lui et le traitaient, n'est-ce pas, d'un homme corrompu. Mais dans sa maison et dans son cœur, il aimait Dieu. On dit amen. C'est ce qui est important. Alors, quand il est devant le test pour démontrer maintenant qu'il aime vraiment Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie qu'il est riche. Il oublie qu'il est une grande personnalité. Avec tous ses costumes, le gars regarde le sycomore, c'est-à-dire un arbre, disons du style les acacias, qu'on trouve au bord des rues, la rue principale. Et puis il dit, si je vais regarder la honte, mes titres et mon orgueil, mon moi, non, je ne verrai pas celui que j'aime tant. Alléluia. Et comme je l'aime tant, il faut que j'expérimente la mort en soi. La mort en soi, c'est-à-dire la mort spirituelle. À partir de cet instant, il est positif dans sa tête. Il regarde les gens, mais il ne voit personne. Oh, les gens sont là, beaucoup le regardent pour savoir ce qu'il va faire. Mais quand vous aimez Dieu, vous ne vous occupez pas de ce que les gens vous disent. Vous êtes poussé seulement à faire ce que l'Esprit de Dieu vous dit de faire. Rien ne peut vous retenir. Quand vous aimez Dieu. Ah! Et puis commence par monter sur l'arbre. Qui monte sur l'arbre? Ce sont les singes. Ce sont les singes. Ce sont les enfants qui s'amusent. Zachée, voyez-vous? Zachée là, on pourrait dire qu'il se dévalorise, mais ne se dévalorise pas dans la réalité. Mais écoutez, son amour pour Dieu l'amène à monter sur l'arbre et puis il s'accroche à une branche très bien, il prend place sur une très belle branche et puis il dit, ah, même de loin il peut voir Jésus, il voit la foule qui le suit, il voit tous les mouvements, il voit le comportement de Jésus, comment il se comporte, comment il salue les gens pendant qu'il est en train de venir, ainsi de suite. Comment il fait? Et puis son cœur est content. Il est tellement content. Et l'amour de Dieu remplit d'abondance son cœur. Ça remplit son cœur. Et ça déborde. Quand Jésus arrive à son niveau net, on dit, quelqu'un dit, les mains attirent les mains.
Jésus est amour, Dieu est amour. Il arrive au niveau de quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un déclic là. Tout le monde est là. Jésus, Jésus, Hosanna, fils de David. Jésus, Jésus, Hosanna, fils de David. Sois béni, fils de David. Sois béni, fils de David. C'est bien. Mais pour beaucoup, ce sont les lèvres. Du bout des lèvres. Il regarde un homme qui a posé un acte, qui a donné les preuves de son amour et qui n'a voulu laisser son handicap de petite taille l'empêcher de bien voir le Seigneur Jésus. Et le Seigneur lève la tête et dit, Zachée, le maître Rabbi, dans cette foule de plus de 1000 personnes, il est distingué, il est honoré. On l'appelle. Lui qui est en haut, on l'appelle. Zachée, dépêche-toi de descendre, car je dînerai chez toi, je mangerai chez toi. Oh, Rakabasata. Quand vous aimez Dieu, quand vous aimez Dieu, l'amour attire l'amour. Alléluia. Alléluia. Vous vous plaignez, vous dites qu'on n'est même pas. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est parce que vous voulez qu'on vous, on vous aime seulement. On fait des choses pour vous, pour vous, pour vous, pour vous. Maintenant, les gens sont fatigués. Ils ne vous aiment pas parce qu'ils ne font plus rien parce qu'en retour, ils ne reçoivent rien. Vous dites, moi même pas. Qu'est-ce que vous faites pour que vous puissiez être aimé? Donnez aussi de l'amour. Veux-tu qu'on t'aime? Il faut aimer aussi. Aimer dans les paroles, c'est bien. Du bout des lèvres, c'est bien. Mais aussi démontrer cela dans les actes. Commence à faire du bien. Commence à poser des actes d'amour. Commence à poser des actes d'amour. Et tu verras si on ne va pas aussi t'aimer, si on ne va pas aussi t'en donner. Ils sont partis devant tout le monde. Les gens ont critiqué cela. Ils ont dit, les jaloux. Mais s'ils savaient qui est cet homme, un pécheur comme ça, il dit, il est le fils de Dieu, et puis ça va manger chez lui. Arrivé, Zachée a commencé d'abord par se repentir, il dit, je ne suis pas un homme saint, mais je crains Dieu. La preuve, c'est que, voilà, quand j'ai quelque chose, je donne la moitié aux pauvres. Il donne aux pauvres. Il aime Dieu et il aime l'homme. Quand tu donnes aux pauvres, tu sais que le pauvre ne pourra pas te rembourser. C'est du vrai amour. Mais quand tu donnes à ton ami grand type, tu sais qu'il te donnera aussi. À partir de ce moment, tu ne reçois rien de Dieu. Mais que ton amour dépasse et que tu donnes à ceux qui ne peuvent pas t'en donner en retour. Alléluia. Alléluia. Et Zachée a commencé donc à passer repentir pour dire que voici, quand je reçois quelque chose, je donne la moitié aux pauvres. Jésus, voyant que Zachée était dans l'embarras, alors il lui a dit que Zachée, le salut est entré chez toi aujourd'hui. C'est moi, Jésus, c'est moi qui pardonne les péchés. Et je suis entré chez toi. Je sais tout ceci. Je sais qui tu es. Je sais ce que tu fais. Je sais. Mais je suis venu dans ta maison. Et en plus de cela, tu as été mis au test. Et avant de commencer toute chose, me donner à manger, tu t'es d'abord repenti. Vous dites que j'ai fait du mal. Mais néanmoins, j'aime les hommes. Et je donne une partie aux pauvres. Sache que tes péchés te sont pardonnés. Parce que celui qui pardonne les péchés est entré chez toi. Celui qui est le salut, qui donne le salut est entré chez toi. Le salut est entré chez toi aujourd'hui. Sois en paix. Et puis, quand c'est fini le moment de manger, ils ont mangé dans la paix du Seigneur. Alléluia. À partir de cet instant, l'image de Zachée a changé dans toute la ville. Les gens ont commencé à le voir comme un homme de bien, un homme bon. Les hommes peuvent vous rejeter, peuvent vous condamner, mais si Dieu vous accepte, c'est le plus important. Si Dieu vous accepte, c'est le plus important. Et si Dieu vous a accepté, les condamnations des hommes ne sont plus rien.
Parce qu'à partir de cet instant, les portes sont ouvertes au-devant de vous. Et vous irez de prospérité en prospérité, de bénédiction en bénédiction. Alléluia. 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 L'amour ne juge personne. Selon Luc 18, verset 10 à 14, il y a deux personnes qui étaient dans le temple en train de prier. Ils sont au même niveau de la rangée. Un, c'était un pharisien, c'est-à-dire un homme religieux. Et puis un autre, c'était un publicain, c'est-à-dire un publicain, un inspecteur des impôts, qui eux étaient reconnus comme toujours des escrocs et que le peuple n'aimait pas. Parce que les tasses qu'ils donnaient étaient trop. Les deux sont là et sont en train de prier. Le premier qui est le pharisien, l'homme religieux, qui a l'habitude d'aller à l'église, qui est un serviteur de Dieu, disons, il dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as créé bon. J'ai toujours été bon. Tout le monde sait que c'est moi qui fais du bien ici. Je paye ma dîme tout le temps. Voici, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Mais il va plus loin. Il dit, il est d'ex l'autre. Il dit, je ne suis pas comme ces publicains qui lui passent son temps à escroquer les gens. Merci de ce que tu as fait de moi un homme bon. Et le publicain n'ose même pas lever la tête vers le Père qui est dans les cieux. Il baisse sa tête et dit, oh Seigneur mon Dieu, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, car je suis un pécheur. Je ne suis pas digne d'entrer dans ta maison pour te prier, mais aie pitié de moi, aie pitié. Ta compassion et ta miséricorde, et change-moi pour que je devienne bon. Amen. Jésus dit, vous avez vu ces deux personnes-là, vous qui écoutez, lequel d'entre eux, d'entre les deux, sera-t-il exaucé? Et les gens eux-mêmes disent, celui qui sera exaucé, c'est celui qui a eu l'attitude d'humilité et qui a prié avec son cœur et dit, vous avez bien parlé. Car celui qui s'élève par lui-même sera abaissé. Mais celui qui s'abaissera, il sera élevé. L'autre a prié avec amour. Il n'a pas accusé, il n'a pas condamné, il n'a pas indexé quelqu'un. Car il a appris qu'il faut aimer Dieu et il faut aimer son prochain. Or, l'autre qui dit que lui connaît Dieu, il n'aimait pas son prochain. Et il passait tout son temps à critiquer. À critiquer. À faire des petits clans. À critiquer les autres. À condamner les autres. À accuser les autres. Et lui à croire que c'est lui qui est l'homme le plus bon. Mais devant Dieu, bien que les gens croyaient que c'est lui qui est bon, mais devant Dieu, il était l'homme le plus mauvais. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'amour dans son cœur. Si tu as compris la révélation, acclame le Seigneur. L'amour ne juge pas. L'amour ne critique pas. L'amour n'accuse pas. L'amour ne se croit pas au-dessus des autres. C'est beau de dire amour. Mais tes actes doivent aussi dire amour. Les actes, la pratique doit aussi dire amour. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Mais l'amour rend humble. En Luc 14, verset 7 à 14, Jésus dit, mes chers enfants, s'il y a une fête qui est organisée et qu'on vous invite, si vous êtes parmi les premiers à partir, quels que soient tes titres, ne va pas te mettre au premier banc et puis tu t'assois. Parce que si tu fais cela, le maître de cérémonie risque de venir
Enfin, s'il vient et qu'il constate que tu es là, pendant qu'il y a une personne qui est supérieure à toi, avec une carte d'honneur, voyez-vous, une carte d'invitation d'honneur à une personne importante qui arrive, on risque devant tout le monde. Il risque de te dire devant tout le monde, Monsieur, s'il vous plaît, suivez-moi. Vous vous levez, il dit non, prenez vos bagages. Même prenez votre Bible. Prenez le sac. Non, ça peut rester ici. Non, suivez-moi et tout ça. Et devant tout le monde. Qu'est-ce que c'est scandaleux. Il dit suivez-moi. Vous le suivez jusqu'à puis ça va vous mettre derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne importante qui est arrivée. Et maintenant, vient une personne bien escortée. Et puis la personne vient prendre votre place. Pourquoi? Et parce que vous avez été belliqueux. Vous avez été orgueilleux dans votre comportement. N'agissez pas ainsi. Mais quand bien même on vous a invité, que vous êtes important ainsi de suite, quand vous arrivez à l'endroit, allez à la dernière place. Allez à la dernière place et asseyez-vous. Jusqu'à ce que le maître de cérémonie vienne et qu'il constate et qu'il vous voit et qu'il vienne vers vous devant tout le monde et qu'il dise, mais honorable, mais non, c'est pas là que vous devez être. Oh, oui, c'est pas grave, vous dites, non, c'est pas grave, mais non, mais ça va, je peux rester là. Alors que quelque part dans votre cœur, c'est là-bas là que vous visez. Mais la sagesse, l'amour, la sagesse. Alléluia, alléluia. Et alors, il vous prendra. Et puis, devant tout le monde, il va vous mettre à la première place. Et les gens se disent, mais qui est ce monsieur? Alors que si vous étiez assis devant déjà, personne ne va dire qui est ce monsieur. Mais là, devant tout le monde, Dieu vous élève. Alléluia. 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 C'est pour dire quoi? Toujours faire les choses avec amour. Quand vous aimez, vous êtes humble. Rien ne vous gêne. Vous pouvez vous asseoir sur un tabouret, ça ne vous gêne pas. Jusqu'à ce que la différence soit faite. L'amour conduit à l'humilité. Et les actes d'humilité que vous posez, ça marque. Vous savez que notre problème, c'est le manque d'humilité. Parce que réellement, il n'y a pas d'amour. Mais entre nous, c'est quand vous avez l'amour que vous saurez vous effacer. Mais écoutez, le Seigneur Jésus, il opérait des miracles, il opérait toutes sortes de miracles. Il est le Fils de Dieu. Mais il était très difficile de le voir. Au point où, pour l'attraper et puis aller le crucifier, il a fallu qu'un de ses disciples le lire parce que les gens n'arrivaient pas à distinguer. À cause de quoi? De sa simplicité. Il était confondu à ses disciples. Il était simple. Pourtant, c'était le grand Dieu qui était là, le Créateur qui était là. Alléluia. Mais regardez, c'est l'amour pour Dieu et pour les hommes qui l'a mené, n'est-ce pas, à pouvoir se mettre au même niveau que les hommes. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Dieu est amour. Mais c'est pas tout le monde qui voit Dieu. Il ne se montre pas à tout le monde. C'est lui le Créateur. La terre lui appartient. Nous lui appartenons. Tout ce qui se trouve sur la terre lui appartient. Il est le propriétaire des droits. N'est-ce pour cela qu'il se montre partout comme cela, sauf ceux qui le cherchent de tout leur cœur, qui le trouvent. Il est dans la simplicité. Soyons simples, soyons humbles, et nous accomplirons la loi de Dieu à cause de l'amour de Dieu qui remplit notre cœur. Alléluia. 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 Nous voyons cela en Luc 14, verset 7 à 14. En Luc 20, verset 23 à 26, les gens viennent voir Jésus et disent, Seigneur, on nous dit de payer les impôts. On dit on n'a qu'à payer l'impôt. Mais nous te suivons. Et puis nous, on doit payer l'impôt encore. Mais nous, on suit le Fils de Dieu et puis on doit payer l'impôt.
Jésus dit, avec quoi vous payez l'impôt? Ils disent, avec une pièce. Alors, sur cette pièce-là, quelle est l'effigie qui est sur la pièce? Quelle est l'effigie qui est sur la pièce? On dit, c'est la tête de l'empereur qu'ils ont mis sur la pièce. L'empereur César. Il dit, mais c'est très simple. C'est que la pièce, elle appartient à César. Donnez à César ce qui est à César. Donnez aux hommes ce qui est aux hommes. Et venez donner à Dieu ce qui est à Dieu. Pas de complications. Aimez César. Ils veulent mettre Jésus dans un piège. Pourquoi on dit que Jésus dit de ne pas respecter la, comment dirais-je, l'empereur? Non. Il dit aimez les autorités. Aimez ceux qui disent de payer les impôts. Aimez les hommes. Mais aussi, venez aussi, quand vous me suivez, et aimez aussi Dieu. Tout ce que nous faisons se résume dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour son prochain. Si tu sais aimer Dieu et aimer ton prochain, tu n'auras pas de problème sur cette terre. Et tu n'auras pas de problème avec Dieu. Tout répondra à ton souhait. Tout te sera favorable. Tu accompliras les plans de Dieu et tu seras dans la paix au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Thank you.
jamais lutter.